Bonsoir à tous et voici la suite de la PCR. Mais cette fois-ci, j'ai assisté. Cette fois-ci, je suis sur deux sites différents. Enfin, je voulais dire sur mes nouveaux sites. Hein. Ah, ouais. Parce que les anciens sites que vous connaissez, eux, sont toujours en grève. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Et donc voilà. Et voici la suite de PTA, enfin de sketch, les vacances. Alors Marcel, ça va? Ah, il le faut. Alors, quoi de neuf? Rien de spécial? Non. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui on a fait, on n'a pas fait la promenade. On n'en a pas visité non plus. Non, ça c'est pour après-demain. Ou demain, après-demain, on verra bien. Par contre, aujourd'hui on a fait une activité sportive, bon, c'était pas pour gagner un truc, hein, non, c'était pour s'amuser. Mais t'en as pas une, hein, Marcel. Je t'ai dit, le volant de badminton, oui, je sais, t'as pas mis dans la grande niche, je sais. Non, c'est facile de la mettre dans l'arbre, c'est pas mieux, hein. Et ça pousse pas dans l'arbre, hein. Ouais. Moi, je sais pas rigoler, t'as dit, monsieur, vous avez vu, ça, c'est un arbre à volant. Ah, très, très marrant. Il était mort de rire, le type. Non, non, il faut... Le volant du badminton, il faut comme ça. Donc, tu tapes comme ça, devant toi. Pas dans les arbres, hein. Ouais, hein. Il n'y a pas de baseball, c'est pareil, c'est devant toi et pas dans les fenêtres. De l'hôtel. Hein? Bon. Et les balles de tennis, pas dans l'eau. Devant toi. C'est pour ça que maintenant je ne mets plus. Maintenant je me mets là et comme ça, je sais que toi tu les envoies par là. Et plus dans l'eau. Parce que, hein. Ouais. Ouais, parce que, hein. Ouais, t'as enfin compris comment il fallait faire, hein. Oui. Mais la balle, elle doit passer au-dessus du filet. Et non pas dans le filet. Ça, c'est au football, dans le filet. Hein? Bon, quand même. Ah ouais. Bon, alors. Ah oui, les fumeurs. Moi, je suis fumeur. Mais je comprends les non-fumeurs aussi. Je suis d'accord avec les non-fumeurs. Fumer dans un stand, non. Il n'y a pas assez d'air pour que ça évacue. Bon. D'accord ? Bon. Et c'est dans tous les stands de football. La cigarette terminée. Voilà. Et l'alcool aussi, terminé. Voilà. De toute façon, maintenant, à partir de maintenant, ils vont vendre de la bière sans alcool. Comme ça, on est tranquille. Ouais. Bon. Si vous voulez vous saouler ou fumer, faites ça chez vous. Ou alors en rue. Mais en rue. Bon. Donc voilà. Et alors, ah oui, il y a un autre message aussi. Pour les parents, on va essayer que la primaire et la maternelle soient gratuites. La secondaire aussi, mais ça, c'est pas gagné d'avance. Parce que quand votre enfant, il est plus grand, ça doit se démerder normalement, même pas à vous. C'est pas à vous. Ah non. Et... Je veux jamais, t'as quel âge, mon fils? T'as 15 ans, ah bah, t'es débrouillé toi-même, t'as acheté toi-même ton matériel. Voilà. Ça, tu apprends à faire des économies. Non, t'es pas obligé d'acheter de la marque. T'as qu'à acheter de la sous-marque. Et quand tu veux que tu achètes de la marque, eh ben, t'as qu'à acheter de la sous-marque et marquer la marque. Hein. Qu'est-ce qu'il veut comme marque? Bic. Mais Bic, c'est une marque pas très chère. Hein.
Voilà, donc il faudrait convaincre les écoles à ne pas acheter de la marque. C'est de la monnaie. C'est cher la marque. Surtout pour l'école. Surtout en matériel. Pour les bics, les crayons, les cahiers, les fards, le plumier, le cartable. Ah ouais. Pour les vêtements, ça c'est pourquoi les. Pourquoi il y a des marques qui coûtent cher en vêtements, hein, mais bon. Mais on va essayer. En Belgique. Ouais. Ah ouais. Enfin, en Wallonie, en Flandre, on va essayer. Parce que à Bruxelles, avec ce bâtard de mes deux couilles là, Guy, non pas Guy, Rudy Devore, ou Devore, 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 bon bref, avec lui, il a mis Bose sur pause. Il a mis tout sur pause. Donc, pause. Quand vous prenez votre télévision, vous faites pause, l'image elle bouge plus, donc elle est comme ça. Donc on sera tous comme ça le 1er septembre. On ne bougera plus, maintenant il a mis tout sur pause. Ça va pas, hein, dans la bouteille celui-là. Bon. Donc voilà. Maintenant, on va que de la pièce là. Donc, Marcel, oui, les balles. Hein? Bon. Ah oui, je me suis renseigné sur Internet. Si vous envoyez la balle chez votre voisin, mais que votre voisin n'est pas là, il faudra attendre que votre voisin revienne. Voilà. Voilà, vous faites une télécommande. Enfin, vous faites un manœuvre spécial. Télécommandé, comme ça le voisin il revient chez vous quand votre voisin n'est pas là. Soit aller chez lui pour. Non, vous restez chez vous et votre ballon il revient chez vous. Télécommandé, quand votre voisin n'est pas là. Hein. Ouais, ça. Ouais, si votre voisin n'est pas là, il sait pas de oui, va récupérer ta balle, ou c'est pas de je vais te la vendre hein, s'il n'est pas là. Bon, faut réfléchir aussi, hein. Bon. Donc voilà. Mais il a prouvé qu'il n'est pas là. Oui, ça c'est une autre histoire aussi, mais bon. Et donc voilà. Alors, mais si on est en Espagne, il y a pas de voisin, ici c'est un hôtel, hein. Ils étaient déjà très contents, la NASA, d'avoir un ballon qui flotte dans la galaxie, là. Hein? Bon. Hein? Ça va, hein? En fait, un ballon football. Et pas n'importe quel ballon football. Non. Un ballon de football du Portugal, signé Ronaldo. Ouais. Ouais, mais. Hein? Oui, je sais, ils en ont eu deux balles comme ça, heureusement. Mais la deuxième, tu la mets plus dans le ciel, hein? Tu la mets dans le goal, hein? Parce que les balles, c'est pas flotter dans le ciel, hein? Bon. Il y a jassé comme ça avec les planètes, Allez. Les caméras et tout, pour un, hein? Ça va, hein? Bon. Une balle, c'est pas fait pour être mis sur orbite, hein. Mais dans le goal. Pas sur orbite. J'ai pas dit la bite, j'ai dit orbite. Ça veut dire dans le ciel. Imbécile. Bon. Et donc, la balle dans le goal, hein. Voilà, c'est bien. Oui, aujourd'hui, il y a une soirée, pas flamenco. Non. Une soirée castagnette. Ouais. Ah ouais. Avec des. Et, oui, il y a deux soirées. Il y a deux soirées. Il y a une soirée castagnette et après il y a une soirée guitare. Ouais.
Ah, mais ici dans l'hôtel, hein, Marcel. Bah, toujours au même endroit, ça n'a pas changé, hein. Hein. Et demain, il y a une activité dans la piscine. De l'aqua gym, mais dans la piscine. Oui. Avec une musique que tout le monde aime bien. Ouais. Ouais, c'est une musique espagnole en plus. Donc ça tombe bien, on est en Espagne. Ouais. Ça s'appelle. Attends, c'est Zemango. Anambanambo. Voilà, tout le monde la connaît, tu vois? Tout le monde la connaît, hein? Ah ouais, hein? Moi, j'ai amélioré la chorégraphie. Donc, c'est comme ça. Puis, comme ça. C'est comme ça. Voilà, ça. C'est comme. Donc, comme ça. Comme ça. Puis, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, tu veux danser, Minou? Allez, Minou, il veut danser avec vous. Regarde, il va vous montrer. Comme ça. Comme ça. Et puis, comme ça. Ouais, Minou, t'es un bon danseur. Oui, hein. Non, Papa n'est plus là. C'est moi qui le remplace. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, Marcel? Non, pas mettre la balle dans le goal. Hein. Dans le goal, mais pas dans le ciel, hein, Marcel. Ah non, tu peux pas, Marcel. Ah non, tu peux pas. Papa n'est, je sais pas où il est. Il est pas là. Moi, c'est moi qui le remplace. Non, c'est pour rien. Je suis toujours là, hein, les gars. Amenez-nous. Ouais. Oh, ouais, t'as un beau milieu. Hein? Oui. Ah, bien sûr. Oui, on a. Oui. Alors, enfin, on n'est pas obligé de réserver parce que c'est pas nécessaire, mais j'ai quand même demandé au patron, à. Allez, à Roberto, de nous mettre devant. Comme ça, on voit mieux. Oui, il y a les enfants devant, les personnes âgées devant. Et nous, devant. Mais les personnes âgées, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah non! C'est un hôtel pour les rencontres hein, et pour les mariages. Hein. Ouais, quand t'es bon pas et bon mort, t'es déjà marié depuis longtemps. Hein. Ça vaut pas la peine de te marier. Hein. Tu peux fêter ton mariage, oui, ça oui. Fêter l'anniversaire de ton mariage, oui. Mais bon. Je me demande bien à quoi ça sert, hein, ton mari, s'il vient, il est marié avec toi, pas avec une autre, hein, mais bon. Mais bon. Mais, ah ouais, hein. Ah, bah oui, bah ça c'est comme ça, Marcel. Les ballons, le baseball devant toi, le balle tennis devant toi, le volant du badminton devant toi, la balle football devant toi et dans le goal. Bon, non. Enfin, pas de mon temps, mais je veux dire dans le goal quand même. Hein. Bon. Maman. J'ai vu un match de football quand même. Bon. Eh ben les joueurs, ils n'ont pas la balle dans le ciel. Hein. Ils ont la balle dans le goal. Hein. On nous dit. Ça va, oui. Un mon milieu, ça, c'est mon milieu qui a dit mange ma main, cannibale. T'es un cannibale, tu manges ma main. T'es un cannibale, là, tu manges ma main. Tu veux de la mayonnaise avec mes noms, plus c'est meilleur. Bon, je sais pas si là, mon amour, tu es en rond? Hein? Tu te crois dans une cage ou quoi? Oh oui, les animaux en cage, c'est bientôt terminé. Hein? Oh, merde à la fin. Hein? De toute façon, bientôt, c'est pas pour maintenant, hein. J'aimerais bien, mais on n'a pas encore trouvé le système pour le faire, alors, vous savez, hein. C'est pas nous, mais c'est pas rapide, hein. En tout cas, pour les cirques, ça, on va se dépêcher, on va être rapide, si c'est mieux. De supprimer, mais supprimer carrément, et pour du vrai, les animaux dans le cirque. Plus d'animaux dans le cirque. Les animaux n'ont pas leur place là-dedans. Un amour. On n'a pas notre place dans le cirque, hein. On n'est pas des clowns, hein, même si nous fait le clown. Hein. Tu fais le clown, et pourtant t'es pas un clown, hein, mon amour, t'es un chien. Bon. Voilà.
Mon Milou, 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 Milou. Oui, ça on sait. Pour les os, on va essayer de mettre tous les animaux dans la forêt. On va essayer, hein. Hein? Et ils sont pétés tout blancs. Je me dis, papa, mais ça va, t'as pète tout blanc. Au moins, ça dit qu'il est propre, mon chien. Ouais, il est tout propre. Ouais. Oui, là-bas dans le. Ouais. Ouais, mais on sent en Belgique, ah, surtout à Bruxelles, on t'a demandé est-ce que t'as pas là, mais le masque pour aller dans le ciel. Et c'est vrai, hein. Quand même, hein. Ah bon? Et donc voilà, Marcel, Agnan. Et puis voilà. Camembert, hein? Bon. Ouais, Marcel. Oh, mais ça, c'est sûr, tiens. Ça, c'est sûr, hein. C'est sûr. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est du beau sévère, hein. Et du wallon en même temps. C'est les deux en un. Ah oui, je sais. Si vous mélangez le wallon, le bruxellois et le flamand ensemble, avec les phrases, en faisant une phrase complète, ça, ce sera du martien. Mais vous inquiétez pas, hein, si un jour ils débarquent, au moins ils pourront prouver c'est bien eux qu'on construit les pyramides et le pharaon. Donc voilà. Ah, milou, 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 ah, il est beau, mon milou. Hein. Il fait le singe, hein. Pour un chien, c'est bizarre, hein. Ah, mais bon, tu veux des bananes? Tu veux des bananes? Tu te moques de moi, papounet, tu me dis que je veux des bananes. Ah, Marcel. Ah, ouais, hein. Ah, mais c'est la vie, hein, Marcel. Bonjour. Il est aussi moqué à spaghetti, mais il papounet. Ah, ouais. Ah ouais. Mais je me demande si le passe n'a pas besoin d'un passe aussi. Hein? Je me demande si le passe n'a pas besoin d'un passe. Hein? Il faut demander au passe si le passe n'a pas besoin d'un passe. Ah ouais. Ah ouais. Il faut demander au sanitaire s'il n'a pas besoin d'un sanitaire. Ah ouais. Oh, c'est sûr. Hein? Mais c'est vrai, hein. De toute façon, ils vont écoute bien mes paroles, hein. Ils vont encore nous la mettre dans le cul, et ça, c'est moi qui te le dis, hein. Ah ouais, hein. Avec leur passe sanitaire, bon, il est pas encore obligatoire, mais de toute façon, il va pas lui dire. Enfin, j'espère. Faisant, j'ai mis tout ça dans les mains de l'avocat, maintenant l'avocat il s'en occupe. Ayant. Ah, mais il faut la frite, hein. Il faut que l'avocat s'en occupe, hein. Et merde. Merde, hein. Et merde et prout, hein. N'est pas connaître. Bonjour Milou. Bonjour Madame Milou. N'est pas connaître. Bonjour Milou. Madame Milou, Monsieur Milou. Madame Milou, Monsieur Milou. Monsieur Milou. Oui. Ma main, ce n'est pas du pétrole, hein. Il n'y a pas de pétrole dans ma main. Tu n'arriveras pas à trouver du pétrole dans ma main. Donc, c'est un de creuser dans ma main, mon amour. Calme-toi ce soir. Allez, calme. Voilà. Et donc voilà, Marcel. Bien sûr. Hein. Oui, le spectacle de faire des castagnettes et de la guitare, c'est pour 23h30. Voilà. Oui. Oui, le patron, oui, je sais. Ronald, oui, je sais. Pedro, il va encore nous faire un discours. Et alors, c'est pas grave, hein. Il a l'habitude, enfin, on a l'habitude. Hein. Mais c'est bien si son discours est petit. C'est, oui. Les phrases sont longues, mais le discours il est petit. Ah ouais?
Donc c'est bien. Maintenant j'ai dit à Pedro, hein. C'est pas grave, hein, tu peux faire des trucs plus longs, hein. Et puis on aime bien quand tu parles, hein. Au moins lui, il raconte des trucs intéressants. Hein. Ouais, bien sûr. Hein. Oh, bien sûr. Hein. Non, non, non. Le 15 septembre, sur Internet et pas sur la télévision. Rien à foutre. Belgium Business Test. Bon. Donc. Aya, vous boost. Bon, alors je disais donc que tu, je sais plus, bon bref, c'est pas il faut voir l'histoire, Marcel. Il faut comprendre l'histoire que le patron raconte. Ah ouais? Ah ouais? Mais non, c'est pas des histoires, des histoires. En fait, il raconte, il fait des sketchs, voilà. Des sketchs en racontant une histoire. Ouais. Enfin, en faisant un discours. Enfin, c'est des sketchs, c'est un discours sur un sketch. En faisant un sketch. Ouais. C'est un mélange de discours, un mélange d'histoire et un mélange de sketch. Rien. Ah, mais c'est très bien. C'est bien expliqué, hein. Ouais. Et puis à côté, on a ça qui parle avec les mains. Pour les souris muets, hein. Ouais, hein. Puis un autre, et puis on a un autre, oui, qui se voit dans les autres langues. Ouais. Mais non, pas en chinois, hein. Non. Ici, dans l'hôtel, on refuse les chinois, on refuse les japonais, on refuse les russes. Et on refuse les Américains et on refuse les Anglais. Voilà. Mais qui restent chez eux dans leur pays de merde. Putain, ils vont pas nous faire chier, hein. Est-ce que nous, on chie chez eux? Non, mais alors, ils viennent pas chier chez nous. Voilà. Bon. Moi, quand je vais à l'hôtel, je vais à ma tête à moi. Je vais pas pour le train, hein. Pour aller jusqu'en Angleterre, pour aller chez dans les océans anglaises, hein. Bon alors. Bon. Donc voilà. Et donc voilà, hein, Marcel. Bon. Et donc, oui, ben, le masque, ça aussi, on en a ras le cul, des masques. Dans les rues commerçantes, dans les marchés, dans les brocantes. Dans les braderies, hein, stop au masque, hein. On sent une chose avec ce masque. On peut plus respirer avec ce masque. Je sais plus, on sait plus respirer avec ce masque. Ah non? En plus, ça pue pétrole, le masque. Ah ouin? Bon. Parce qu'on dit qu'il est fait en tissu. Oui. Mais un tissu, pas un tissu, un tissu qui pue le pétrole. Ah ouais. Donc voilà. Ah mais t'inquiète pas, en 2024, pas button! Elle m'a mis le vase blingue. Ah ouais? Mais avec le vase blingue, elle va marcher droit, hein? Ah ouais? Il faut t'en virer aussi le OPVLD, hein? Ah ouais? Sauf un. Il y en a un qui peut rester, c'est la sonde de croc, mais il faudra le mettre dans le vase blingue. Voilà. Parce que le VSD, il dit, ouais, après 20 ans, après 30 ans, au chômage, il peut gagner plus qu'un salaire qu'un ouvrier. Eh, hein? Il y a moins de trouver du travail, hein, qu'ils arrêtent de nous casser les couilles, hein. Les chômeurs de merde, là. Bande de chômeurs.
C'est pas en restant votre cul dans votre fauteuil que vous allez trouver du travail, un bordel. Bon. Nom de Johnny. Moi, j'ai la Vierge Noire. Mais si j'ai pas de la Vierge Noire, il y a longtemps que j'aurais trouvé un travail, vous savez. Et quand. Oh, bénévole, oui. Avant, pour l'école, je travaillais. Du travail bénévole et je restais et j'étais toujours à l'heure et toujours présent à mon travail. Et ouais. Même un jour, j'étais enrhumé et le patron dit: mais Philippe, t'as un rhume, reste à la maison. Ouais. Même malade, ouais, mais tu as contaminé tout le monde. Ouais, t'as raison, je vais prendre je vais prendre une aspirine. Et ça va disparaître. Ouais. J'ai pris pas une aspirine. J'ai pris trois aspirines. Paf, mon rhume envolé. Ouais. Il est parti aussi vite qu'il est venu. Rien. Ah ouais. Mais c'est bien. J'ai travaillé comme bénévole à la ferme Pélif. Non, pas au Chambéry. Au Chambéry, je voulais, mais c'était trop compliqué chez eux. Mais à la ferme Pélif, ça, aucun problème. Et même un jour avec le professeur, hein, ah mais je vais à côté, ça c'est déjà, ouais, hein. À Marcel, ah ouais, je suis à côté ce soir-là avec le professeur, oui, mais c'est pas grave, je vais encore la raconter, elle est très géniale. On a été visiter le refuge des animaux. À Otigny. Ouais. Il vient vers moi, il veut que je prenne dans mes bras. J'ai pas de problème. Hein. Je le prends dans mes bras. Il se met là. 5 minutes après, il était là, assis sur ma tête. Et j'ai fait tout le tour avec un chat assis sur ma tête. Il n'a pas bougé d'un poil et moi j'ai même plus fait attention qu'il était sur ma tête. À peu près, je suis pas avec lui. Le prof me dit: et puis, oui, t'as marqué ta chat sur ta tête? Ah non. Ah, c'est bien, je sais. Ah, c'est bien, tu m'as pas aussi. Maintenant, oui. Ah là. Mais bon. Parce qu'une barbe, ça se sent. Mais les cheveux, ça se sent pas quand t'as des cheveux. Bon. Un mini-loup. Et voilà, la suite de PC1 enfin de sketch, c'est pour demain. Et maintenant, moi, c'est les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Alors, Raoul, hein? Oui, on en profite aujourd'hui parce que demain, il va nous pleuter, hein, jeudi. Oh, mais la nature, elle va remettre, hein? Elle va nous ouvrir le robinet, hein? Ouais, mais elle pisse. Faut lui acheter des pampers, hein? Anti-fuite, hein? Ah bon? Pour la nature, un ouin. Elle pisse encore plus qu'un bébé. Un bébé, ouais, mais les bébés, ils font pipi. D'accord, un bébé, c'est normal, il fait pipi. Mais un bébé, il pisse moins que la nature, hein? On vous dit. C'est la nature qu'on doit mettre des lanches, hein? Pas au bébé, hein? Bah si, au bébé aussi, mais je veux dire, pas que au bébé, hein, en nature, et anti-fouite, hein, comment faire au bébé, hein, parce que là, dit, au you, dit, ouais, parce que là, c'est grave, hein, c'est grave, hein, parce que c'est quand même grave, hein, c'est quand même vrai, hein, aïe, bon, lui, il a fait le soleil, ouais, mais demain, bon, quand même, demain, c'est demain, mais quand même, hein, j'ai un mec qui continue à faire soleil, hein. Parce que nous, du Judy. Oh, mais c'est grave, hein. C'est grave, hein.
C'est grave, non? Avec la nature, oui. Ah ouais, mais qu'elle pisse, il pisse moins qu'elle. Allez, dis. Ah ouais, suffit d'éteindre le robinet et il pisse plus. Mais vas-y, vas-y d'éteindre le robinet de la nature. Hein. Un, il n'y en a pas. Et deux, je sais pas où tu vas le trouver si jamais il y en a un. Hein. Mais bon. Ah, ouais, hein. Mais c'est grave. Hein. Ouais. Si au moins la nature pouvait être no noyée. Mais quand je dis noyée, c'est noyée pour du vrai, hein, pas de semblant. Hein. Donc, il faudrait que la nature noie pour du vrai, redevore. De bord. Comme ça, on en fait des brasses dessus là. Voilà. Quand même, hein. Bon. Et nous, on n'en peut rien, c'est la nature qui est noyée. Hein. On n'en peut rien, c'est la nature qui est noyée, nous. Hein. On est blanc comme neige, hein? Bon alors. Bon. Ou blanc comme l'aspirine, ça va, hein, Raoul. La neige, c'est blanc, et l'aspirine, c'est blanc. Bon, la neige, elle n'est pas tout à fait blanche, hein? Parfois, elle est sale. Oui. Mais l'aspirine qui est sale, elle n'est pas bonne. Ah non, faut la nettoyer. Mais l'aspirine qui est blanc, oui. Alors, si ton aspirine, elle est verte, elle est périmée, hein, au Yudi. Ah ouais? À moins que c'est la nouvelle aspirine pour Hulk. Mais bon. Et donc, voilà. Ah ouais? Ah, mais il faut la frite, hein. Bon. Oui, je sais, t'as acheté un nouveau pantalon pour l'hiver. Oui, je sais, t'es comme moi. T'as bien flotté dans tes jeans. Moi aussi, j'aime bien flotter dans mes jeans. Mais pas à la taille, hein, mais dans les jambes, hein. Ah oui. Ah ouais, hein. Mais bon. Ah ouais. Mais bon. C'est bien, hein, Raoul? Ah ouais. Ah Ah ouais, on est déjà le 25, hein? Bientôt le 26, demain est le 26. Hein? Ah non, on est le 25. Ah ouais, hein? Ah ouais. On s'approche tout doucement du mois de septembre, hein? Quand on sera au mois de septembre, il reste un peu que 20 jours, hein? Et après, hop là, vous êtes en train de faire photo du monde. Maintenant, il reste 26, 27, 28. Voilà, je vais compter, hein, Raoul. Les jours qui vous restent pour vous pour faire votre tour du monde. Alors, je n'en compte plus, hein. Non, non. On compte à partir de demain. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Le 26, on compte pas parce que c'est le jour où vous partez. Hein. Donc voilà. Donc il vous reste 25 jours pour le moment. Voilà. Rien la frite. Bon. N'empêche, un arbre, c'est grand, hein, au Yodi. Il faut un an pour faire un bébé à moi, 2 ans pour qu'il grandisse plus grand, et il faut 1000 ans pour qu'il atteigne le sommet. Oh, ouais. Bon. Ouais. Mais avec la nature, c'est pas le sommet qui va atteindre. Non, non, non. Non, non. Les arbres, heureusement que les arbres aspirent l'eau. Ouais, mais avec la nature, ils devront apprendre à aspirer tout l'eau. Et en vitesse rapide en plus. Parce que, vous dites. Ouais, mais enfin, c'est pas sérieux. Hein.
D'ailleurs, les fruits et légumes, on sait même pas d'où ils vont venir. On sait même pas s'il y en aura. Mais non. Dans les pays chauds, ils sont tous brûlés avec les incendies. Et dans la moitié de l'Europe, noyés avec l'eau. Alors ça va, hein? On ne sait même pas ce qu'il y en aura dans les magasins, les fruits. S'il y en a, ce sont des vieux fruits qui datent avant l'inondation. Mais là, il faut voir s'ils sont encore mangeables, hein, parce que, hein, bon. Ah ouais, Raoul. Ah, là c'est comme ça, Raoul. Ah, bien sûr, Raoul. C'est normal, hein. De toute façon, j'ai dit, hein, c'est normal, hein. Oui, Raoul. Ah ouais. Ah oui. Ça, c'est sûr et certain. Même avec un cahier, vous avez assez, hein. Pas besoin d'avoir deux, hein. Ah bah c'est sûr, hein, Raoul. Un kayak, c'est bon, il en faut pas 36, hein. Et il en faut pas deux, hein. Ah bah c'est comme ça, Raoul. Ah bah bien sûr, Raoul. C'est logique dans la logique, il fait de logique dans sa logique, hein. Bon. Sinon, à quoi ça sert, hein? Hein? Vous allez tous se ramener en même temps. C'est bien. Ça ira plus vite. Eh oui, les gars, n'oubliez jamais. Avant d'aller vous reposer quelque part, téléphonez d'abord pour vous renseigner, pour voir si c'est bien en zone verte. Et non, pas en orange, ni en rouge. En orange, c'est pas un risque, mais, hein, bon. Et rouge, là, c'est un risque. Ouais, parce que qui dit rouge, dit la quarantaine. Qui dit la quarantaine, dit 7 jours. Ouais, bon. Alors, évite les zones rouges. Va aller en zone verte. Au moins là, vous ne risquez rien. Il n'y a pas de quarantaine quand on revient d'une zone verte. Il faut le prouver, hein? Oui. Ah non, il n'y a pas de passe. Il n'y a pas de passe sanitaire en zone verte, hein? Non, non. Ça, c'est la zone rouge et orange. Mais c'est le passe, pas le passe sanitaire, mais le passe CER pour l'avion. Oui. Mais l'autre passe qui te permet de voyager, celui-là, là tiens. À part dans l'avion, mais celui qui te permet d'aller à la piscine, dans les restaurants, dans l'hôtel, et dans les. Hein, celui-là. Il peut se mettre où je pense, hein. Il peut se mettre dans son cul, dans son sanitaire, dans son passe. Ouais. T'en fais des confettis pour carnaval, hein. Ah ben ouais, hein. Et donc voilà. Ah ouais. Alors, en 2022, il n'y aura que deux communes qui peuvent fêter leur carnaval. Deux. Ouais, je sais. C'est pas beaucoup, moins deux. Ah non, je sais bien. Je sais. C'est. Non, trois. Ou deux. Deux. Ah ben, c'est deux, apparemment. C'est marrant, mais c'est pas beaucoup, hein. Ah non. C'est. Allez.
dans un mur. Allez, j'y étais l'autre fois. Ouais, j'en entends ça. Hein. Dilbeek, ça c'est sûr, certain. Il pourra le faire. Mais avant Dilbeek, c'est. Allez, je sais pas le nom, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Bon, bref. Et donc, voilà. Il n'y a que eux qui pourront. Ah ben, je pourrai pas. Ah ben non. Parce que la salope aura mis les élèves à l'école le jour du carnaval. Au moins, salope. Au moins, c'est une. Ah non, pas une salope, c'est une pétasse. Pétasse. Qui? Mais la ministre des écoles, là, comment ça s'appelle encore? Désir. Désir. Ouais. Mais moi, j'ai envie de l'appeler déliré parce qu'il y a délire. Mais bon. Mais c'est vrai, la frite. Hein. Elle est tellement. Ouais. Non, pour le masque, c'est pas elle. Pour le masque de Bruxelles, c'est pas elle. Non. C'est son enculé de rue de Vore qui a insisté qu'à l'école, à Bruxelles, les masques restent encore obligatoires. Hein? Jusqu'à quand? Ah, il a dit jusqu'à 2022, l'enculé. Hein? Oh, avec le ministre de la Santé de Bruxelles, Alain Marron, ouais, mais c'est que nous, il va de Marron parce qu'on va le mettre on va faire une révolution. Il va faire une guerre avec le peuple contre Rudy Devore. Et Alain Marron. Ah ouais? Ah ben c'est sûr, mon gars. Il va pas nous faire chier, ces deux-là. Hein. Merde à la fin. Hein. Qu'ils accalent au diable. Hein. Ils accalent paître diable. Voilà. Et, hein? Nous, les Bossois, on a droit à notre liberté. Comme la Flandre et la Wallonie. Merde. De toute façon, ma grève, je continuerai à faire grève. Hein. Pas sur les chaînes, mais sur les chaînes que vous connaissez d'habitude. Ces deux chaînes-là, elles sont en grève hein, pour le moment. Ah ouais. Ça. Ah ouais, ça. Je m'en bats les couilles. Hein. Bon. On va voir. Ah non, les salons, ils ont rendu Raoul. Ah ouais. Parce que le patron, il est flamand et il travaille en Flandre. Il habite en Flandre. Donc, Rudevor, il a dans le cul. Et c'est parce que c'est lui qui l'a dans le cul, pas nous. Merde. Et donc voilà, bien sûr, hein, Raoul, c'est pas un cinglé de la connerie. Hein. Mais si ça tombe, il n'a même pas les chiffres, les bons chiffres. Si ça tombe, on est à 70 et lui dit qu'on est à 60. Ouais, mais il a de la merde dans les yeux. Hein. Et Rudy Devore, les yeux, ça se lave. Alors, si t'as de la merde dans les yeux, enlève-la. Merde. Bon. Ouais. Balaye la main que t'as dans les yeux. Et devant toi. Ouais. Bon. Il a dit, ouais, mais je sais pas, Satan, que ça ira mieux pour le 15 septembre. Et les gens, il y a quand des gens en vacances, à tour du cul. Tout le monde n'est pas revenu de vacances, hein. Pédale, va. Espèce d'enculé, va.
Alors, va niquer ta femme, hein, d'abord ta femme à poil. Hein. Bon. Va niquer ta pute de femme. Hein. Bon. Et fais pas chier. Merci. Donc, je disais donc, Raoul, que le 20 vous faites votre mot, mais que vous faites comme vous avez fait en 2020, hein, pour 2021. Vous partez, mais sans faire de bruit, comme vous avez fait avant. Et vous laissez la camionnette devant l'entrée. Comme ça, quand nous on ira la chercher, ben on sera. On va pas. Comme ça, on ne mettra pas 10 ans pour la trouver. Bon. Et pour chercher après. On la trouvera plus facilement. Voilà. Et vous fermez la porte, vous fermez les portes de la camionnette à clé. Hein, et vous donnez les clés au gardien du lac de la mer. Ouais. Nous, on va venir chercher la camionnette. Jeannette, elle va prendre sa voiture. Moi, je vais avec elle. Moi, je prends la camionnette. Et voilà. Et pour le retour, c'est pareil. Vous faites comme vous avez fait. Vous nous téléphonez avant que vous revenez. Hein? Bon. Mais c'est passé sur un peu plus tôt. Ah ouais? Parce qu'il y a le mariage le 31 mai 2022. Hein. Ah ouais, ça. Ah ouais, ça. Oui, en Suisse. Et le deuxième en Wallonie. Et le vous, vous allez le faire en 3 fois. En 4 fois. Eh bien, le quatrième, il faudra attendre 2023. Hein. Et encore, on n'est même pas certain. Pâté comme c'est pâté, à mon avis, il faudra attendre 2024, hein, pour faire des mariages à Bruxelles. Parce que merde à la fin. Hein. Ah ouais. Ah, parce que pour lui, ça n'ira jamais pour lui. Même quand ça va bien, ça va pas bien. Quand ça va pas bien, ça va pas, ça va. Et quand ça va pas bien. Et ça va, hein. Il doit arrêter d'avoir la bouteille, hein. Ce paysan. Pour ça, c'est un pèse de merde. Et les pèses, c'est tous des enculés. Voilà. Avec les écolos. Mais oui, bien sûr, hein. Et c'est pas les écolos et le PS de merde qui vont inventer une autoroute prévue et que pour les vélos. Hein. Hein. Heureusement qu'il y a nous les Flamands pour le faire, hein, parce que merde. Hein. Ah bon? Ah ouais, nous les Flamands, on a pensé à faire une autoroute spéciale que pour vélo. Déjà en 2022, il y aura une que tu pourras. Ouais, tu pourras aller en vélo jusqu'à l'aéroport de Saint-Vetem. En vélo. Ah ouais. La voiture, tu dois la garer. Ton vélo, tu peux le prendre avec. Hein. Ah, c'est toi la différence. Hein. Ah bon, hein. Quand même. Hein. Ah ouais, hein. C'est la différence. Hein. Ta voiture, tu ne peux pas la mettre dans l'avion. Ton vélo, oui, hein. Avec les bagages, hein. Ah, bien sûr, avec les valises. Hein. Que ce soit un vélo pliable ou un vélo non pliable, au moins lui, tu peux le prendre avec, en vacances, dans l'avion. Ah oui, hein. Tu ne seras pas obligé de le laisser. Sauf si c'est un vélo que tu loues. Là, tu seras obligé de le laisser sur place. Mais si c'est ton propre vélo à toi, hein, à ce moment-là, tu peux pas avec dans l'avion, hein, au moins. Bon, il faut payer. Il faut payer, ça c'est pas gratuit. Mais au moins, t'as ton vélo avec. Hein. Au moins. Bon. Au moins. Un vélo sur les jambes. C'est important avec les jambes. Un quiz tax. Ça fonctionne avec les cuisses. Donc, c'est les cuisses qui travaillent sur le quiz tax. Et sur le vélo, c'est les jambes. Donc, il faut avoir de la force
pour pédaler et savoir pédaler. Si tu es fatigué, mais attends, il n'avancera pas, tu sais. À moins que tu aies un vélo électrique, là, il avancera. Ouais. Mais tu dois quand même donner le premier coup de pédale à ton vélo électrique pour qu'il roule après, hein. Bon, quand même, hein. Tu vas pas dire, allez, roule le vélo, hein, quand même. Bon, ça va, hein. Hein? Bon. Oui, je suis contre les cyclistes, mais pas contre le vélo. Parce que le vélo, en lui-même, il est pour rien si les gens qui roulent dessus ne savent pas rouler avec. Hein? Bon. Et donc, voilà. Un Et voilà. La suite de la pièce de catch, c'est pour demain. Maintenant, ma pause cigarette et Milou va vous parler. Hein, Milou? Tu peux parler, hein, c'est du direct. Hein? Ils vont pas de manger, hein? Ils mangent pas les chiens. Hein? On n'est pas en Chine ici, ni au Japon. Bon. Oui, ils ont retrouvé le type qui a tiré en Australie. Mais maintenant, il y a pire. Ils ont tous attrapé, non pas le virus. Non. Ils ont tous attrapé des complications avec le vaccin. Mais oui. Ouais, parce que le président ou le roi de je sais pas ce qu'ils ont chez eux, mais il a dit, tout mon peuple est vacciné. Alors, le ministre a dit, bah alors c'est bien, on peut lever les pieds. Ah non, ils sont tous contaminés, ils sont tous en danger à cause du vaccin. Ah ouais, ça va pas, hein. Alors, ça va pas, hein. Il a dit, hein. Il a dit, hein. Moi, je me demande bien pourquoi on a inventé le vaccin, il a dit. Parce que le vaccin, il tue encore plus de gens que le virus en lui-même. Ah, le vaccin est plus mortel que le virus. Et quand tu as des problèmes de cancer, ou quand tu as le cancer, il ne faut pas te faire vacciner. C'est dangereux, très dangereux. D'ailleurs, les centres de cancer te le diront eux-mêmes, c'est dangereux. Ah ouais? Et si t'es trop nerveux aussi, c'est dangereux aussi. Ah ouais, hein? Ah mais ça c'est sur la frite, hein? Amélio, ah ouais, j'ai raison. Ah ouais. Ah mais ça c'est sûr. Hein. Ah ouais. Hein. Bon. Ah mais bien sûr, Minouch. Petit louch. Honnête, je louche pas. C'est ça qui louche. T'en es sûr? Bon. Alors, quoi de mieux? Hein? Rien de spécial aujourd'hui? Non? Tant mieux. La routine? Mais laquelle? Celle de la volonté et de la foi ou celle qui est pourrie à Bruxelles? Ah, la bonne routine, alors c'est celle de la Flandre et de la Wallonie alors. Alors ça va. Alors, tu vas voir en septembre, tout le monde sera sur pause. Mais non, on sera pas sur pause, hein. Il doit arrêter de délirer celui-là. Hein. Rudy DeVore.
Il n'y a qu'à démissionner et nous foutre la paix et nous laisser tranquille et nous donner notre liberté qu'on attend depuis non pas 2 ans mais pas 2 ans hein. Mais depuis 1 an et demi. Voilà, me revoilà. Et je vous dis au revoir. Et à demain à 22h. On va demain à 22h. Ouais, sur les deux sites. Sur ces sites-là. Ouais, les deux sont en greffe. Donc voilà. On va. Et à demain. Et bonne soirée à tous et bonne nuit pour ceux qui dorment. Et bon travail pour ceux qui vont travailler le soir. Allez, hop, au revoir.